Salam alaikum, mes petites brouettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débat sur la nature. Vous trouvez pas que la campagne, c'est magnifique? Marcher dans les champs, écouter les oiseaux, c'est agréable. Wouhou! C'est formidable, je respire le bon air de la nature. Oui! Vous me voyez, je suis au cœur des vignes. Quel panorama! Pourtant, je vous ai menti, je ne suis pas à la campagne, je suis à Montpellier. Comme quoi, il peut y avoir de la nature dans une ville. Bienvenue dans Touche pas à ma nature. Retour sur le plateau, on va écouter la parole de nos invités. Bonjour à tous, moi je suis pour la nature. Moi je trouve que la nature, c'est très magnifique à regarder et que ça nous apporte beaucoup de choses comme l'oxygène que nous respirons. Ça a beaucoup de sens dans nos vies. Et lorsque nous marchons, ça nous permet de nous détendre, etc. Vous êtes géante, madame. Vraiment très géante. Les moustiques, quand vous voulez vous détendre, ils vous empêchent de dormir. Et en plus, ils impliquent une baisse de la productivité. En fait, c'est quoi le rapport? Moi, je vais vous expliquer le rapport. Les putois, c'est la nature. Les insectes, c'est la nature. Hein, vous appelez ça la nature? Ben moi, j'appelle ça des nuisibles. Aucun rapport. Vous calmez un peu. Bon, je vais vous poser une autre question. Est-ce que pour vous, c'est important qu'il y a de la nature en ville? Oui, parce que ça améliore l'atmosphère et aussi ça rend la ville plus belle, plus colorée. Par exemple, quand il y a des enfants qui veulent marcher dans la rue, etc., il faut qu'ils voient des plantes, etc., pour améliorer leur culture générale. Monsieur, petite dame, elle veut voir des arbres. Elle a qu'à aller à la campagne, hein? Parce que moi, ce que je vous dis, les enfants, ils ont besoin de voir des buildings, ils ont besoin de s'éduquer, pas d'aller vivre dans des cabanes, hein? Puis moi, j'aime les grosses voitures.